Attends. Salut à tous et bienvenue dans Tartup. Salut Jean, salut Seb, salut Arnaud, bien tout bonjour. Se passe bien. Alors aujourd'hui dans Tartup, nous allons vous parler des super-héros japonais. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'en ce mercredi 25 octobre sur Game One, c'est une journée spéciale Japon, préparée par notre trio Souria, Pili et Alex Pilote, qui d'ailleurs co-présente cette journée spéciale Japon avec Juliette. Juliette qui, elle, bizarrement aujourd'hui, n'est pas là. Bah c'est non. Pas bizarre en fait. Bah non, j'ai décidé que elle est avec Pilote en train de préparer le plateau d'après. En fait, ce qui se passe, c'est que cette émission n'est pas en direct, donc pas en direct. Qui dit pas en direct dit pas de live chat en direct. Qui dit pas de live chat en direct dit pas de Juliette. Comme disait Arnaud tout à l'heure, pas de bras, pas de chocolat. C'est voilà. Voilà. Mais par contre, ne vous inquiétez pas parce que Juliette, vous allez la retrouver juste après l'émission à 18h comme il se doit pour le live chat en direct. Et en plus, nous allons quand même répondre à vos questions qui ont été déposées sur les forums de discussion du site de Game One. Et d'ailleurs, on commence tout de suite par une question de Gizmo qui voulait tout simplement savoir comment ont évolué les super-héros japonais au fur et à mesure des années. Justement, nous sommes ici pour répondre à ce genre de questions. Et comme premier élément de réponse, et tout ce qu'on peut faire, c'est déjà commencer par regarder ensemble un petit sujet qui apportera quelques réponses à ce genre de questions. C'est parti. Souvent mal connues et mal considérées par le public français, les séries, dites tokusatsu, ont une importance capitale dans l'histoire de la fiction japonaise. Tout commença par la création d'Ultraman en 1965 par Eiji Tsuburaya. Ce dernier, après avoir participé aux effets spéciaux de nombreux films de Godzilla, lança son propre personnage pour la première fois à la télévision en 1966. Ce fut au tour ensuite de la toute jeune Toei Company de lancer le célèbre Kamen Rider, l'homme sauterelle sur une histoire du grand mangaka Ishinomori. Encore une fois, le succès sera foudroyant et de nombreuses suites seront mises en chantier. À cette époque, les séries s'enchaînent à un rythme soutenu et les héros les plus improbables viennent fournir les programmes jeunesse de la télévision. Car ne nous trompons pas, ces séries sont avant tout destinées à un très jeune public pour qui la crédibilité des effets spéciaux n'a somme toute peu d'importance. En 1975, on cherche alors à diversifier le concept et c'est encore une fois de Monsieur Ishinomori que viendra la lumière. Peu après la création de Sankukai, il proposa à Toei une histoire mettant en scène un escadron de combat de 5 personnes aux couleurs différentes, le Sentai Ene, avec cette série du nom de Goranger. Viendra ensuite, 4 ans plus tard, la série Battle Fever J, qui avec le robot géant, scella définitivement le concept de la série Sentai. Aujourd'hui encore, si les costumes et les effets spéciaux ont bien changé, le fond est resté le même. En France, c'est Chōdenshi Bioman qui fut la première série du genre diffusée. Viendront ensuite dans le club Dorothée de nombreuses autres productions Sentai, comme Five Man, Jetman ou encore Live Man, qui ne furent malheureusement jamais diffusées en entier car souvent programmées à l'approche de Noël pour servir de vitrine aux jouets. Depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui, Toei a produit 22 séries du genre et depuis 18 ans, elles s'enchaînent régulièrement au rythme de une par an. Depuis 6 ans, il est produit également chaque année un long métrage crossover des séries en cours, la machine est bien huilée et le concept commençait à tourner en rond. Toutefois, il faudra attendre l'an 2000 pour avoir du neuf. En effet, la série actuelle diffusée au Japon, Mirai Sentai Time Ranger, bouleverse bien des acquis tout en gardant une structure classique. Malheureusement, elle ne risque pas d'arriver jusqu'à nous. Revenons un peu en arrière, en mars 82, date à laquelle fut diffusé au Japon le premier épisode d'Uchū Keiji Gyaban, plus connu chez nous sous le nom de Ixor.
Sous la profusion de séries créées à l'époque, XOR sera la série la plus fédératrice, celle qui a reçu le succès le plus immédiat. Elle est la première de la trilogie des Space Sheriffs et plus généralement l'instigateur des séries dites Metal Hero. Cette fameuse trilogie des Space Sheriffs compte donc dans l'ordre Giaban, Charivan, diffusé en France sous le nom de XOR 2, et Shredder. Cette dernière est malheureusement la moins réussie des trois. Alors que XOR 1 et 2 étaient très liés, XOR jouant en effet le mentor de son successeur, le troisième volet semble bien isolé sans la moindre apparition des aînés. XOR reste en France avec Sankukai et Bioman, la série la plus connue et la plus emblématique de la production jeunesse de la télévision japonaise. Après Jaspion, Jiraya et autres Metal Dare, la production de séries Metal Hero au Japon s'est arrêtée. Il ne reste aujourd'hui plus que la vague Sentai qui perdure comme nous l'avons vu au rythme d'une série de 52 épisodes par an. Quant à l'Europe, ce ne sont désormais plus que les adaptations de Saban qui nous sont proposées. Power Rangers n'est en effet qu'un remontage de la série japonaise Two Ranger où toutes les scènes non costumées sont retournées avec des acteurs occidentaux. Chez nous, la mauvaise réputation de ce type de série s'explique en deux points. Le premier est l'image véhiculée par le Club Dorothée, principal consommateur à l'époque de ce type de programme, et le deuxième est le côté prétendu cheap du genre. N'oublions pas pourtant que le budget de ces séries est vraiment ridicule, alors que les combats et autres cascades sont souvent bien plus efficaces et impressionnants que ceux d'une série occidentale aux moyens 10 fois supérieurs. Et puis, c'est kitsch, ok, mais c'est pour ça qu'on aime, non ? Et ouais, on aime ça parce qu'en fait, on en a un peu tous bouffé des hommes en collant à la télé quand on était petits. Ouais. On se souvient tous de Bioman et XOR aussi. Mm-hmm. Et XOR d'ailleurs, XOR parce que alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y a pour ceux qui aiment vraiment ce genre de personnage-là, XOR sera le mec qui jouait le rôle d'XOR sera certainement l'invité star du prochain festival cartooniste qui se tiendra à Brest du 10 au 12 novembre prochain. La petite image pour info. Elle est ici, voilà. Alors les super-héros dans les Sentai, on a vu, mais il n'y a pas ça que dans les Sentai, il y a ça aussi dans le cinéma. Genre, ouais, forcément. Mais enfin, en fait, dans le cinéma, on va passer surtout du côté des héros japonais, parce que les super-héros, en collant au cinéma, c'est souvent les versions américaines qui sont des remakes, donc des versions japonaises, style Power Rangers, Buck Rider, machin chose. Justement, on a un message. C'est pas du vrai collant. Ouais. Non, ouais. On a un message de Shinji Kamui qui dit ouais, top les Sentai, Kamen Rider, Bioman, mais pitié, on évite les récup américaines, genre Power Rangers. Ouais, voilà. On en est fait, d'accord. Les Power Rangers, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. C'est pas de la bonne qualité. En plus, les réalisateurs japonais qui travaillent dans les studios américains qui pour faire ça sont payés moins que les réalisateurs américains. Donc c'est vraiment dégueulasse. Enfin bon, on va repasser quand même du côté des héros japonais en prenant la base du héros japonais, c'est Sugatan Senshiro, c'est l'adepte des arts martiaux qui a une quête ultime, c'est d'être le mieux dans sa peau et d'avoir donc super héros parce que c'est un professionnel des arts martiaux, il fait du karatéka. Voilà, alors il y a eu deux films de Kurosawa, un en 60 et un dans les années 70 qui étaient absolument géniaux. Après il y a eu le samouraï, parce que le samouraï, il faut pas oublier quand même, quand on voit tous les robots, les méchants, même les carapaces des Sentai aujourd'hui, c'est inspiré vachement des samouraïs. Le côté bouclier, sabre et armure des robots, ça vient des samouraïs. Voilà, on voit ça dans les Chevaliers du Zodiac, on voit ça partout. Donc c'est vraiment inspiré. Donc il y avait les 7 samouraïs de Kurosawa, toujours, qui avait été transformé version américaine, les 7 mercenaires. Ouais, il y a eu plein de versions. Il y a la version avec Rocco Siffredi. Une samouraïs, une série de jouets mortelle. Et les 7 jours de la semaine, les 7 doigts de la main et les 7 boules de cristal de Tintin. Ok, c'est bon. Aussi, oui. Voilà. Il y en a beaucoup en fait. Et donc on a aussi un autre samouraï, mais là c'est un Ronin Blade, lui il est tout seul, c'est-à-dire un tueur sans maître qui se balade à travers le Japon avec un landau. Et c'est Baby Card. Baby Card, c'est une série de 6 films japonais dans les années 60-70. C'est les vidéos qui sont là. Les vidéos, voilà. D'accord. Et c'est vraiment génial. Et pour moi, c'est un qui se rapproche le plus des super-héros parce qu'il a, pardon, il n'a pas un scooter de l'espace ou un truc comme ça, mais il a donc ce landau. Et ce landau, c'est un truc plein de gadgets avec des lames, des couteaux, des pointes. C'est comme la voiture de James Bond. Comme la voiture de James Bond ou la Batmobile. Et Robin, en l'occurrence, c'est un bébé. C'est un petit gamin qui déclenche les armes. Mais il y a beaucoup de super-héros comme ça dans les films japonais qui ont un truc en plus qui est là pour les aider. Oui, souvent ils font appel à un scooter de l'espace ou à une petite voiture en maquette qui arrive. Ouais. C'est un scooter, Charivan aussi, tout ça, il y a des petites motos. Et donc après, on est passé quand même à des hommes aussi en collant quand même. Dans les 60, il y a eu les Spacemen qui étaient ridicules, façon capote avec une antenne sur la tête. C'est vrai que c'est kitsch quand même. C'est très kitsch. Et il y a un autre truc qui s'appelait les maîtres de l'Ulysse.
Fusion, je crois, en français. Enfin, je sais plus exactement, c'était pas le truc de Clive Barker, mais c'était bien avant. Où tu avais des rois de la magie japonais, des princes qui se battaient à coups de monstres. Et donc, si on dit monstre, on dit Godzilla aussi. En japonais, ça se dit Gojira. Gojira. Voilà, Gojira, en fait, c'est donc le monstre qui est la résultante de Nagasaki et Hiroshima, donc une espèce de gros lézard. Qui détruit Tokyo dans les premiers films, mais qui après est appelé par les Japonais quand ils sont en danger, quand le Japon est en danger. Donc ça devient vraiment un super-héros. Avec il change de bord en cours voilà, de route. Voilà, il change de bord, mais il reste quand même un peu animal. Et ben, on va regarder la nouvelle version de Gojira Millennium 2000 qui risque de sortir bientôt au cinéma. Ah bah voilà, c'est parti, c'est un extrait. Bonne annonce. His power is unequaled. His battles are legendary. His return is near. This could be the end of civilization. Get ready. I spotted him. For the 23rd big screen appearance of the world's biggest star. Godzilla! From TriStar Pictures and Toho Company Limited. Catch the ultimate showdown. It's an alien. Where winner takes all. Godzilla 2000. If you can't take the heat, run. Moi j'aime bien ce Godzilla. J'aime bien cette ambiance parce qu'ils ont gardé la bonne tête des premiers Godzilla. Oui, c'est ça, avec le bonhomme dans le costume. Il y en a combien d'ailleurs de Godzilla? Je sais pas, une grosse vingtaine, une petite trentaine en tout. Mais il y a eu plein d'adaptations. En fait. Et d'ailleurs, ça rejoindra ce que disait je ne sais plus qui, lui, ici, Misty Gris, qui disait que les Japonais font des héros surréalistes qui donnent une autre dimension qu'à peu près eux seuls savent faire. Oui, et parce qu'on a bien vu le résultat avec Emmerich qui a fait un Godzilla version américaine qui est totalement raté. Mais par rapport au Sentai en France, il y a de très bons Sentai, il y a les Beatman, il y a France 5. Et si vous voulez les voir, il faut aller dans les concours de cosplay, il y a des projections de films amateurs comme ça. Voilà, comme le d'ailleurs, il y en a un plus tard pour vous, mais on en reparlera un peu plus tard. Et ben ouais, Godzilla 2000, toi tu dis au cinéma l'année prochaine. Je sais pas exactement, pour l'instant, à mon avis, je sais pas s'il va sortir sur les écrans en France, je pense pas. Souvent, ils sortent en vidéo seulement. Mais bon, France, grosse prod quand même. Assez grosse prod. Ouais. Bon, après les super-héros japonais dans les Sentai, après les super-héros japonais version samouraï et karatéka au cinéma. Manga, forcément, enfin bande dessinée, ta spécialité, donc là forcément on va dériver vers manga. Là on va plutôt aller sur le manga, ouais, on va un peu oublier la BD européenne, parce que les super-héros en BD européenne, à part Super Dupont, c'est pas génial. Ouais. Hein, c'est pas très fort. Très fort, mais bon, il y en a un, donc on passe directement au japonais, avec peut-être les super-héros, là pour le coup pas en collant, mais en armure, dont on parlait tout à l'heure, les Chevaliers du Zodiac. Ils ont un collant sous l'armure. Ils ont un collant peut-être. Sous l'armure, c'est vrai. Mais ce n'est pas le seul propos, ils ont une armure. Et donc là, on est sur le côté zodiacal de la chose. Oui. donc là, tout le monde a connu, hein, c'est un manga, c'est surtout en France un dessin animé. Alors, lequel est arrivé en premier, le manga ou le dessin animé? Le manga. C'est le manga. Oui, souvent, quand le manga marche très très fort au Japon, il y a tout le temps une adaptation. Et donc, les Chevaliers Zodiac ne déroge pas à la règle. Ouais. La gymnastique se fait plus facilement dans ce sens-là plutôt que dans l'autre. Les deux, non, c'est vraiment pareil, hein, les d'accord. deux, hein, que ça soit. Je me renseigne. Quand ça cartonne dans l'un, ça va dans l'autre, et il y a des produits dérivés, et il y a tout ce qu'il faut. N'est-ce pas, Arnaud? Donc, les Chevaliers Zodiac, 5 héros, comme dans les Sentai, il n'y a pas de filles. Donc. Attends, je termine avec. Finalement, Andromède, qui est un des 5 personnages principaux, qui est bien en rose, c'est lui qui prend un peu le rôle de la fille, même si c'est un garçon. Donc, tout le monde connaît à peu près les Chevaliers du Zodiac. Hein, c'est une diffusion série de masse. Ouais, une diffusion de masse, des mangas de masse. Là, on en est en France, en traduction, on en est au 28e. C'est quoi Saint Seiya, c'est bien. Qui reprend le nom du personnage principal. On est à presque 30 bouquins publiés chez Kana en France. C'est Dargaud, en fait, qui publie ça. C'est plutôt sympa. Tous les fans retrouveront vraiment l'idée des super-héros, donc super-héros en armure. Et toujours avec le même auteur, Kurumada, je vais aller chercher d'autres petits bouquins qui lui appartiennent.
qui sont BTX. BTX, hein, pareil. C'est, vous avez vu, c'est la même tête. C'est-à-dire que Saint Seiya, donc Seiya en fait. Hein, ouais. Et voilà, on le retrouvait dans BTX. Donc même idée, super héros japonais, sauf que là, plutôt que d'être des armures, enfin ils ont des armures, aussi, hein. Mais plutôt que ça soit vraiment basé sur les armures, là c'est basé sur ces sortes de personnages, de grands monstres métalliques qui s'appellent les BT justement, et ça reprend l'histoire de X qui est un de ces BT. Et si c'est le même dessin, c'est parce que c'est Kurumada aussi. Comme c'est ce que j'ai dit. Les Chevaliers du Zodiac, il a dessiné. Tout d'accord. À fait. Okay. Donc, ça, c'est la série après Les Chevaliers du Zodiac. C'est sorti chez Manga Player en France. Manga Player, ça n'existe plus. Donc, c'est Pika, les éditions Pika. Voilà, c'est là. Et alors, est-ce qu'il y a moyen un jour de les voir en dessin animé, ça? Certainement. À vrai dire, je pense qu'il y a peut-être une série au Japon. Mais là, il faudrait demander à Alex Pilote parce que je ne connais pas toutes les séries japonaises. D'accord. Sinon, très rapidement, j'avais une question qui aurait pu t'intéresser. Oui, dis-moi. Que je vais te poser tout de suite. C'est Max Faraday sur le forum de discussion du site de Game One qui demandait tout simplement « Attention, super-héros japonais, il n'y a pas que les Sentai, il y a aussi Feu du Soleil chez Marvel. » Et Marvel, c'est les comics. Donc. Ouais, Marvel, c'est des comics. Là, c'est américain. C'est un super-héros donc, qui s'est pris et encore la bombe d'Hiroshima sur la tête et qui est tout énervé. Ouais. Et j'ai un petit truc pour finir. Mais alors pour finir, très rapidement, il faut en parler. C'est Wingman. Ah oui, voilà. Ça se trouve plus en France. Évidemment, c'est un manga. C'est aussi un dessin animé qui avait été diffusé. Arrête avec le robot. Publié chez Manga Player. Là, il y a pas d'éditeur qui a repris Wingman. C'est une parodie de super-héros. C'est un garçon qui a un livre magique. Il est tout seul. Ils sont pas cinq. Ouais, il est tout seul. Il dessine ses objets. Et ensuite, il les a sur lui et pendant 10 minutes, il est simplement super-héros. Donc, il faut qu'il se dépêche comme moi. Ah bah nous aussi, il faut qu'on se dépêche. Allez, bah on va passer d'accord. À toi, Nono. Parce que tu t'impatientes, tu t'agites sur l'épaule du pauvre Seb. Qu'est-ce que tu nous as amené comme. Les Chevaliers du Zodiac. Forcément. Forcément. Quelle originalité. Alors, forcément, bah oui. Et les Chevaliers du Zodiac, bon, bah. Donc, t'as deux séries là, visiblement. Ouais, il y a deux séries. Alors, il y a déjà les vieux, ça, c'est les anciens. Celles qui sont sorties en même temps que le dessin animé en France. Alors ça, c'est la série espagnole Caballeros del Zodiaco, parce que ouais, c'est super beau, voilà. Ça, c'est Les Chevaliers d'Or. Donc il y a eu toute une série qui est sortie il y a un moment. À monter en France, en neuf, on trouve plus que les séries espagnoles. En version française, c'est plus que du collector. C'est un truc, ça commence à avoir de la cote, pas mal. Donc si vous en avez, faut les garder parce que c'est de beaux objets en plus. C'est pour ça que sur la boîte il y a marqué Los Caballeros del Zodiaco. Voilà, tout à fait. Il y a une deuxième série et la deuxième série, c'est du SD. Les SD, c'est super déformé. C'est bien les gars. Ouais. Et alors donc toujours les mêmes personnages, voilà, avec Chevalier d'Or, machin, truc bidule, ouais, super beau, voilà, truc bidule. Merci. C'est bien. C'est culte, disons, c'est cool, c'est de la bombe, ok, voilà. Donc sinon, eux, c'est qui exactement? Sinon, les amis, voilà, sujet. On a parlé de Xor, mais Xor, il n'était pas tout seul. Il y avait donc voilà Charivan et son copain qui s'appelle je sais plus comment. Oh, bravo. J'ai dit tout à l'heure, truc bidule. Et donc voilà, ça c'est les copains de Xor, c'est les shérifs de l'espace, machin. C'est très très beau, une jolie petite série rigolote. Ouais, elles sont très jolies. Ouais, c'est assez beau, c'est assez kitsch. Mais moi, mon préféré, c'est quand même celui-ci-là. Ben voilà, ça c'est Ken le Survivant. Alors, Ken le Survivant, c'est un espèce de super-héros qui a des pouvoirs, un peu des espèces de pouvoirs de combattants, de fous, vu qu'avec ses doigts, il réussit à faire exploser la tête de ses combattants. En 23 ennemis. Secondes. Et attention. Il y a des petits. Pareil, il y a des SD super rigolos qui vibrent avec des piles, ça c'est vachement sympa. Non, mais ça autant c'est beau, ça. Un petit peu ça c'est rigolo, c'est pour la blague. Et sinon, l'incontournable, je veux dire, c'est Goldorak. Celui et qui Goldorak, est d'ailleurs en couverture de 10ème planète bien. Ce mois-ci. Parce que 10ème planète. 10ème planète, le premier magazine français de produits dérivés. Et d'ailleurs, salut. Qui parle de tartotte d'ailleurs, donc c'est bien 10ème planète. donc Goldorak. Goldorak, il y a eu donc plein de séries. Ça, c'est des petits bonhommes en métal qu'on remonte et qui marchent. C'est super rigolo, c'est sympa, c'est pour la blague. Et sinon, surtout, ça, cette série-là, les Soul of Chogokin. Chogokin, ça veut dire alliage de métal. Et en fait, quand le dessin animé Goldorak est sorti, pour les petits japonais, il y avait des jouets en plastique. Et en fait, pour arriver à avoir un beau jouet, ils ont réussi à faire des premiers jouets en métal de robots qui s'appellent les Chogokin. Et donc, cette nouvelle série s'appelle les Soul of Chogokin. Ça veut dire que c'est genre un revival, c'est pour retrouver l'esprit des Chogokin d'antan. Donc voilà. Ils sont super beaux. Hein. Donc ça, c'est une très belle série. Ça, c'est cette magnifique boîte-là avec donc la navette, la soucoupe d'Alcor, la soucoupe de Vénusia, toute une espèce de truc. Il y a des bases aussi. Là, ça, c'est un petit nouveau qui vient de sortir. C'est comment il s'appelle? Je sais plus. Comme Battler. Il y a Mazinger Z, Great Mazinger. Là, donc, Mazinger Z, c'est celui-ci. Voilà, Mazinger Z version, plus, version à moitié ouverte. À moitié ouverte. Donc toute une magnifique série de jouets, c'est que du beau. Voilà. Et ça t'a été prêté par Asian Alternative qui distribue que du produit japonais en France. Voilà.
Et là, sinon, ici, Cowboy Bebop. Et ça, c'est Cowboy Bebop, très rapidement, voilà. Et c'est du pareil, c'est une belle série. C'est moins du jouet, c'est vraiment du produit dérivé. C'est un bel objet à mettre sur une commode, voilà. Bah, très bien. Bon, on va parler de vrais super-héros en chair et en os. Ouais. Enfin, en gras et en os. On avait une question sur le forum de discussion du site de Game One, de quelqu'un qui disait tout simplement qu'il n'y a pas que les super-héros japonais dans les Sentai ou dans les films ou dans les mangas. Il y en a aussi, ça peut être aussi un dieu, par exemple, ou quelqu'un qui a marqué le peuple nippon, des hommes, des vrais, des en chair et en os. Oula, mon petit gars. Faut jamais m'envoyer là. Et ben voilà, Julien nous rejoint enfin. Julien, t'es un peu à la bourre. Julien, je vous le représente à nouveau sur notre gueule du sport. J'ai été à un entraînement de sumo. Ah, donc, physique, oui. Quand même, ouais, donc c'était raccord avec les hommes, les vrais. Voilà, un petit peu. D'accord. Donc je suis arrivé quand même juste à temps. Hein. Je suis pas trop en retard. Tu t'es fait éclater ? Bah, un petit peu, ouais. Tu n'as pas fait le poids ? Exactement. Joli. Ouais, c'est assez simple, hein, parce que moi, j'avais jamais vu de sumo en vrai. C'est la première fois que j'en voyais. C'est quand même quelque chose d'assez simple. Hein. C'est un cercle comme ça de 4,50 m. Il y a deux gros bonshommes dedans. Et puis celui qui gagne, c'est celui qui arrive à mettre l'autre dehors, en dehors du cercle, ou alors qui arrive à le mettre par terre comme ça dans le cercle, à lui faire toucher un coude, un œil, des cheveux, enfin tout ce qu'on veut. Toucher quoi. Un œil. Voilà, toucher un œil. Comme ça, j'ai fait. Toucher un œil. Important. Oui. D'accord. Par contre, du sumo par terre. Faut y aller quand même. Mettre le sumo par terre ou même lui faire toucher n'importe quoi hors le pied. Quand même, il a le droit d'être debout. Ça, c'est important. Bien. Il a le droit de marcher. Il a le droit de marcher, voilà, c'est ça. Alors, la base de l'entraînement du sumo, c'est le shinko. Alors, le shinko, je vais vous le faire. Enfin, je vais essayer de vous le faire. C'est un truc, là, on lève la hanche et bam, on la ramène très fort sur le sol, comme ça. Ils font ça 500 fois par jour, c'est l'exercice. Et ils lèvent la hanche un peu plus, enfin, la jambe un peu plus haut que ce que je viens de faire. Hein. Donc, c'est vraiment assez physique. 500 fois par jour, ça. Et ça permet de muscler les jambes et les hanches. Qui sont vraiment les armes c'est de base, si vous voulez, des sumo. Voilà, c'est ça. C'est un centre de gravité très très bas, un sumo. Hein. Contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'on peut penser que le poids est là-dedans, en fait, non. Mais le poids est là, tombe, et là. Le poids. Voilà, il s'est faire tomber le poids. C'est un peu ça, le shinko, c'est faire tomber le poids. C'est ça, voilà. Et donc, et la formation des sumo, ça a changé depuis, parce que c'est vieux comme tout, ça. C'est un peu vieux, oui. On dit que ça a 2500 ans. En fait, il semble que ça ait à peu près 400 ans, en réalité, le sumo. Oui, et depuis le début, ils sont formés dans ce qu'on appelle une EIA. C'est une sorte d'école de sumo. Plusieurs écoles se trouvent à Tokyo, en tout cas. Et c'est quelque chose, c'est un endroit où les sumos sont vraiment traités à la dure. C'est-à-dire qu'ils se lèvent à 4 heures du matin pour les apprentis sumo. Ils s'entraînent de 4h30 jusqu'à 8h du matin à peu près. Ils ont le droit de manger qu'à midi. Donc vous imaginez. Et c'est pour ça qu'ils sont gros, les sumos. C'est parce qu'en fait, ils mangent après leur entraînement. C'est-à-dire qu'ils consomment pas tout ce qu'ils vont manger. Les gros bols d'accord. comme ça de soupe japonaise qu'ils Mais vont. Ils ne font pas que manger. Ils boivent un peu quand même. Ils boivent aussi pas mal de bière quand même. Ouais, oui. Mais tout ça, c'est pas dépensé. C'est pas dépensé parce que après le déjeuner, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font la sieste. Donc tout ça, ça dort. Ouais. Quelle dure vie, celle d'un sumo. C'est vraiment dur. On dit un sumo ou un sumotori ? Un sumotori, mais en français, on dit un sumo. Ouais. Quoi. Mais, on dit un footeur, un footballeur. Voilà, exactement. Voilà. En tout cas, on dit un gars à pas énervé. Ouais. Parce que bon. Alors, on dit un gars à pas énervé, surtout pour les yokozuna, qui sont les maîtres du sumo. Le grade le plus élevé des sumo. C'est star parmi les stars, là. C'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment les super-héros du sumo au Japon, c'est les yokozuna. Alors, on va peut-être en voir quelques-uns ici. Alors voilà, en tout cas déjà, comment on reconnaît un yokozuna ? C'est le seul qui a le droit de porter la tsuna, cette corde comme ça. Alors on dit que c'est le premier yokozuna qui avait trouvé qu'une corde pour s'habiller quand l'empereur était venu le voir et qui voulait pas apparaître devant lui à poil, pardon. Ça c'est le sumo le plus connu, le yokozuna le plus connu, c'était Akebono. Ici c'est Takano Hana 2. On dit que c'est le plus fort, mais en ce moment il combat pas parce qu'il a des problèmes au foie, évidemment. Et ça, c'est Musashi Maru. Qui est le dernier sumo en date. Alors, il est à noter que deux yokozuna sur trois, ne sont pas originaires du Japon, mais comme vous voyez, là, ils représentent le Japon à l'étranger quand même. Ça les empêche pas. Voilà qu'est-ce le Danpatsu. Sur la tête Alors, c'est le Danpatsu. C'est la cérémonie d'adieu du yokozuna où 200 à 300 personnes vont passer derrière lui comme ça et lui couper une petite mèche de cheveux. Et évidemment, ils vont la ramener chez eux parce que avoir une mèche de yokozuna, c'est le top du top au Japon. C'est vraiment donc des superstars, des super-héros là-bas. C'est des super-héros. Alors, en tout cas, les yokozuna, ça c'est sûr. Mais même, il y a d'autres sumotori qui sont pas yokozuna, donc qui sont pas grands chefs, si vous voulez, mais qui sont quand même connus parce qu'ils sont assez populaires, ils sont marrants. Et voilà. Alors, c'est le cas notamment de Konoshiki, qui est un... Konoshiki. Voilà. C'est un joli Konishiki, pardon, excusez-moi, qui est le premier à avoir fait son site internet. C'était un sumo tori, donc hawaïen. Donc, venant de Hawaï, hein, je précise. Oui. alors, donc, vous voyez, ici, sur le site, on voit... Il est très hip-hop, hein, il a une bonne touche hip-hop. Il est hip-hop, il a même fait bob, un disque. Ça, c'est le bob, ça fait hip-hop. Ah oui, ouais, c'est les chemises. Il y a le bob hip-hop, il y a les pubs hip-hop. Bon, ça, c'est un sumo tori beaucoup moins connu et qui est obligé, évidemment... C'est pour Sailor Moon.
Voilà, de se maquiller, de jouer un peu au drag sumo pour pouvoir se faire connaître, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, il ne peut pas se faire connaître sur un terrain. Il y a aussi Yokozuna, le catcheur, qui est en fait... Il y a Yokozuna, le catcheur, qui est une caricature, mais assez bien faite, parce qu'il pèse quand même 222 kilos, c'est pas rien. Et il vient de Hawaï, qui est en fait le vrai pays des sumo, parce qu'il y a quand même 2 Yokozuna sur 3 qui viennent de Hawaï et non pas du Japon. Ouais. Donc, il a vraiment tout d'un sumotori, sauf que peut-être qu'il n'a pas réussi dans ce sport-là, donc il s'est mis dans le catch, ou le catch lui rapportait plus. Voilà. Eh ben, écoute, très bien. Merci, Julien. Merci. Tu peux retourner t'entraîner si tu veux. Va te reposer, t'as l'air un peu fatigué. Nous, quant à nous, on va regarder maintenant, puis dans le cadre de la journée spéciale Japon, il y a un court-métrage qui est diffusé ce soir à 20h40 sur Game One. Ce court-métrage, c'est Battle Yaro. C'est un film amateur. Et tout de suite, je vous propose un petit extrait. Vous allez voir, c'est quand même vraiment sympa. Regardez. やりますできればあなたの名前を伺いたい バトル野郎plus, le combat dure pendant très longtemps pendant le film. Alors, si vous voulez voir la suite, n'oubliez pas Battle Yaro tout à l'heure à 20h40 sur Game One dans le cadre de la journée spéciale Japon qui continue après l'émission. Mais d'abord, juste après cette émission à 18h, n'oubliez pas d'aller sur le site internet de Game One pour retrouver Juliette pour le live chat en direct et venir lui poser des questions. Quant à nous, on se quitte maintenant et puis on se donne rendez-vous dans une semaine pour parler d'Halloween puisque ce sera un petit peu la grosse actu du moment. Et puis, on vous dit à très bientôt. Portez-vous bien d'ici là. Et quant à nous, maintenant, on va peut-être faire un petit combat de sumo entre nous pour essayer de se départager les jouets. Les jeux, hein? Plus fort. Tu veux venir te battre? Ok, d'accord. Je crois comment tu fais? Tu fais comme ça? Non! Salope! C'est pas pour rien que tu fais du sport, toi! Hein? Jean-Jean, il va te battre, toi! Startup continue tout de suite sur le chat de GameOne.net. À la télé, Startup, c'est mercredi à 17h30.